Ça y est, je suis de retour pour vous faire plein de recettes et on commence par une recette sucrée de palmier. Pour ça, c'est très simple, il nous faut que deux ingrédients, de la pâte feuilletée et du sucre, blanc ou roux, comme vous le souhaitez. Première étape, on déroule la pâte. Ensuite, on vient parsemer du sucre partout. La quantité, c'est vraiment à l'œil, c'est comme vous le souhaitez, il faut qu'il y en ait un petit peu partout. Une fois que j'ai mis mon sucre, je viens un petit peu aplatir tout ça, histoire que le sucre ne parte pas quand on va retourner la pâte, que ça soit un petit peu intégré à la pâte, on va dire ça comme ça. Une fois que c'est fait, on va venir retourner notre pâte. Donc là, je décolle doucement les deux côtés pour ensuite la retourner plus facilement. Et maintenant, c'est très simple, je viens refaire exactement la même chose. Je prends du sucre que je parsème un peu partout, puis j'appuie pour essayer d'imprégner la pâte du sucre. Maintenant, on passe à l'étape du roulage. Donc, je prends un côté de ma pâte que je viens enrouler sur elle-même jusqu'au milieu. Et ensuite, je fais pareil avec l'autre côté. Je recouvre le tout de mon papier sulfurisé. Et je viens le déposer une dizaine de minutes au congélateur. C'est passé au congélateur. Maintenant, je viens tout simplement retirer ma pâte du film. Et ensuite, on va couper des morceaux. Donc, c'est vraiment la grosseur que vous souhaitez. Bon, vous voyez qu'il fait des morceaux plus gros que d'autres. Mais sinon, c'est à peu près 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur. Une fois que j'ai tout découpé, je viens les disposer sur une plaque avec du papier sulfurisé dessus pour éviter que ça colle tout simplement. Mes petits palmiers sont disposés sur la plaque. À cette étape-là, vous pouvez rajouter soit du sucre dessus, soit du jaune d'œuf. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est comme vous le souhaitez. Ça part au four pendant à peu près 18 à 20 minutes à 180 degrés. Et voici, c'est déjà terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je reviens très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!